Salut, ici Missing, on se retrouve pour l'épisode 53 du Challenge Apocalypse. Donc dans l'épisode précédent, on s'était quitté avec Atticus qui venait de grandir et qui avait trouvé la femme de sa vie. Enfin, on savait déjà que c'était elle, mais elle est passée au bon moment. Il a gagné le très ambitieux et Dahlia n'a toujours pas trouvé l'amour de sa vie, qui a changé, qui n'est plus Seiji, mais qui est Nobuya, Nobuya, comme vous voulez. Et qu'on attend de voir passer devant la maison pour lui proposer de venir habiter avec nous. Donc en fait, j'ai pas pu quitter encore le jeu. Donc cet épisode est enregistré tout de suite après le précédent. Parce que en fait, il y a quelqu'un qui est en train de vieillir et qui est en train de m'embêter. Parce que du coup, je ne peux pas aller dans le casse pour aller changer les propriétés de ces messieurs-dames. Et je ne peux pas sauvegarder, je ne peux pas partir, enfin bref. Ah ben mince, elle est partie. Ouais, comme ça s'est fait, hein. Bon bah il n'y a plus qu'à rentrer à la maison et à guetter si le prochain monsieur passe. Tu veux pas rentrer chez toi par hasard? Quand je te demande de rentrer chez toi, tu devrais rentrer chez toi. Youhou. Bon. Mais écoute, hein, tu vas venir ici en courant. Voilà. Et du coup, on va attendre qu'elle repasse. Hein. Ceci dit, peut-être demain. Puisque de toute façon, il faut qu'on fasse attention. Enfin, au moment où le bébé est conçu. Pour pouvoir faire un bébé quand on pouvait le faire. Donc, hop, tu vas aller aux toilettes. S'il te plaît, merci. Je sais pas ce qui s'est affiché. Les factures sont là. Je n'ai pas pu attendre notre boîte aux lettres. C'est ça. Donc, tu vas payer les factures. Pourquoi il y a du burger? Oh, bref. Tu vas payer les factures. Tu vas aller dormir. Alors, on va juste faire le petit vidage de compte en banque. Alors je sais pas écrire. Testing. Je vais y arriver. Super. Bref, tout va bien. Super. J'ai du mal. Hop, monnaie zéro. On va désactiver. Hop, voilà. Mais toi, tu vas aller dormir. De toute façon, on peut pas enregistrer, on peut pas quitter. Hop, mince, mince. Oh, t'aurais pu aller dormir dans l'autre lit, mais. Attends, tu vas aller dormir dans l'autre lit. Hop. Et bien sûr, on n'a pas le droit à la vitesse rapide non plus, puisque je ne sais pas qui est en train de nous embêter. Tu dois y aller, mais c'est une blague. Tu te plaisantes? T'étais où? Non mais sérieux, elle était où? Je fais attention aux gens qui passent quand même. Donc Dahlia et César sont rentrés en même temps. Ah, attendez, là, hop, hop. Donc, qui veut quoi? Toi, tiens, tu vas aller. Pourquoi déjà porté? Qui a déjà porté le linge? Il est sur le. Ah oula, toi t'es fatigué. Alors toi tu vas aller dormir. Hop, toi tu vas dormir. Pouf, j'ai cru qu'il était chauve. Voyons voir, est-ce que Monsieur Turban est dans le coin? Monsieur Turban n'est pas dans le coin. Vous allez voir, il va plus passer. Je le sens. Il faut pas que je dise au jeu mes intentions en fait. J'ai hésité et j'aurais pas dû. J'aurais pas dû hésiter. Ouvre, tiens, toi, va nettoyer ça. Va nettoyer ça. Ouvre-moi ça. Ça ici. Va faire des fruits grillés. Hop. Le citron dans l'inventaire. Non, dans l'inventaire. Et
Les vêtements dans le bac à linge. Les tiens aussi. Pourquoi? Hop. Ça ici. Et tes devoirs, on va les ranger dans le. Ah, ah oui, non. Ouais, non, mais c'est trop tard. Bon, au moins, on sait qu'elle passe. Mais faut qu'en fait, faut qu'on arrive à la voir demain matin. Ou le soir, mais la garder super longtemps en fait. Enfin, la garder longtemps. Au moins jusqu'à 9h du matin. Et bien, il va plus repasser, hein, monsieur Turban. Je sais pas, le jeu, même pas. Peut-être qu'il a trouvé un travail et du coup il passe plus, je ne sais pas. Donc toi tu fais quoi? Toi tu ranges et ensuite tu vas faire à manger et ensuite tu vas aller aux toilettes, tu vas te doucher. C'est quand ton anniversaire toi d'ailleurs? Super, dans 4 jours. Hop, prends une portion. Ceci dit, si Monsieur Turban passe, n'importe qui peut l'inviter. Super. Non, mais je veux pas aller au feu d'artifice, je veux que tu passes devant chez moi. C'est pénible ça. Je sais pas. Ouais, non, mais si on lui demande de rester dormir. Non, on va le laisser dormir. Puis on verra demain comment ça se passe. Toi, mange s'il te plaît. Ensuite, tu vas aller aux toilettes, tu vas prendre une douche. Voilà, tu vas, hop, va nettoyer. Tu vas aux toilettes, tu vas prendre une douche. Oui, et après, tu vas jouer aux échecs. Oh non, après, tu vas nettoyer les toilettes. Et ensuite. C'est qui ça? Un nouvel ado, super. J'ai pas besoin d'avoir des nouveaux. Ah non, c'est le même que d'habitude. Enfin, le même que d'habitude. C'est un qu'on connaît déjà. Il y a toi. Et encore toi. Je veux Monsieur Turban, s'il vous plaît. Ah, pourquoi? Oula! Il va falloir nettoyer ça aussi, hein, parce que. Bah oui, bah, je suis d'accord, hein, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Voilà. Ok, tu vas aller jouer un peu. Et non, mais je veux pas que tu t'arrêtes devant chez moi en fait, toi. Je veux que Monsieur Nobuya arrive. Mais bien sûr, il veut plus, alors qu'on l'a vu plein de fois juste avant. Peut-être en semaine, je sais pas, peut-être qu'il fait des choses le week-end. Vous en êtes où, vous? Toi, tu travailles demain ou pas? Toi, tu travailles pas demain, donc tu vas pouvoir se guetter. Toi, tu travailles pas du tout. Donc. Ok, donc toi, t'es. Hop, tu vas utiliser. Tu vas prendre une douche. Tu vas prendre une portion. Aïe. Ouf. Allez, on est parti. Hop. Toi, tu travailles demain? Ah oui, alors toi, tu travailles, donc tu vas t'arrêter. Et tu vas aller dormir. Hop. Et toi, tu vas continuer, prends ta douche. Et après, tu vas. Tu vas aller jouer un peu aux échecs. Hop. Non mais tu peux finir de manger sinon. Ah c'est bon, t'as fini.
Allez voir, est-ce que Monsieur Turban est dans le coin? Non, toujours elle. Non plus. Bon. Bon, toi t'es toujours fatigué. Donc on va attendre un petit peu. Mais ensuite, tu vas aller aux toilettes. Non, tu vas manger. Tu vas aller aux toilettes. Tu vas te doucher. Puis tu vas aller faire un peu de yoga. Et puis on va attendre que... Non, c'est pas Monsieur Turban, ça, c'est pas un monsieur. Ça non plus. Enfin, c'est un monsieur, mais c'est pas Monsieur Turban. Donc tu vas aller utiliser, tu vas prendre une douche. Tu vas prendre une portion. Et toi, tu vas continuer à jouer. Monsieur Turban, où es-tu? C'est pas lui. Je vous jure, ce jeu va me rendre bourrique. On avait trouvé, dès qu'on trouve quelqu'un, pouf, il vient plus. Il faut pas les lâcher en fait. On en a plein qui repassent 10 fois dans la journée. Et lui, pas du tout. Après, il doit faire une sieste, comme ça, il va pouvoir vérifier si... Si... C'est qui lui, c'est un nouveau? Non, c'est toujours le même. Toujours. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est cassé, je vais aller vérifier. T'es qui toi? Ah ben. Lucie Robert, qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Je croyais que tu travaillais. Je croyais que tu travaillais dans les affaires. Ceci dit, je sais pas à quel niveau elle est, mais on sait pas trop. Elle travaille jusqu'à de 9h à 17h. Voyons voir, 9h, je sais plus ce que j'ai dit. Je sais plus ce que j'ai dit. 9h, c'est bon ou pas? 3, 9... Ouais, 9h, ça a l'air bon. Alors, ce qu'il faut faire, c'est... Viens ici. Non, viens ici. Elle est où? Là. Non. Alors, ce qu'on va faire d'abord, c'est que je vais aller les modifier dans le casse. Comme ça sera fait. Enfin, modifier. Je vais aller changer le qui peut faire des bébés. Donc, j'ai fait la modification. Il veut pas. Ah mince, je suis pas le bon. Viens ici. Elle est où? Toi. Compliment de sa tenue, s'il te plaît. Ça peut pas être monsieur. Non. Elle, ça fait 2 fois qu'elle passe. J'ai l'impression de me répéter tout le temps. C'est horrible. Alors, à mon avis, il va pas pouvoir la rattraper. Ou alors, elle vient directement à lui, je sais pas. Ah, oui. Non, reste là. Et. Stop, arrête-toi. You. Bon. Bah écoutez. Il va falloir qu'il. Soit elle s'arrête là-bas et il va pouvoir lui parler, soit elle s'arrête pas. Et elle fait que passer. Ça c'est pénible aussi. Bon, voilà, elle faisait que passer. Mais donc il va aller faire une sieste du coup. Je sais plus qui d'autre était debout. Toi, bah fais le ménage. Et je t'avais pas dit de jouer aux échecs par hasard, juste comme ça. Tu vas jouer. On va attendre de voir si Monsieur de Turban veut bien passer. Peut-être qu'il va passer là. Peut-être. Non mais c'est pas possible. Je m'en fiche. Il y a que ceux qui je m'en fiche qui passent en fait. Faut pas que je le dise au jeu. Il m'entend et il les fait plus passer. Encore elle. Bon, bah. Aïe. Ouf. Ouf. Ah, je me suis fait mal au pied. Bon, ben... On va attendre. Il n'y a plus à manger.
Puis quand il va se lever, il va aller aux toilettes. Hop, il va prendre une douche. Puis il va aller faire à manger. Hop, là. Et griller, des fruits grillés. Ah. Hop, dans l'inventaire. Et hop, c'est reparti. Oh, il a tout cassé. Voyons voir, est-ce que Monsieur Turban serait dans le coin? Non. Bon. Mais toi, écoute, tu vas aller là. Puis ensuite, éventuellement, tu vas réparer les toilettes. Vas-y, va réparer. Hop, pendant ce temps, on va vérifier si il n'y a pas quelqu'un qui passe. Il n'y a personne. Allez, on va voir. Non, mais c'est pas possible, je vous jure, le jeu, dès que j'ai trouvé quelqu'un, il génère quelqu'un d'autre, et du coup, la personne que je veux, elle passe plus. Ça me rend dingue, ça me rend dingue. Mais tu peux manger toi maintenant. Oui, bah vas-y, prends ta portion. Non, si tu pouvais t'asseoir à la table, ça serait bien. Toi aussi, tu vas prendre une portion quand t'auras terminé. Il n'y a que les gens dont je me fiche complètement qui passent. Tout va aller bien, tout va aller bien. Hop, toi, écoute. Tu vas aller aux toilettes. Puis tu vas faire un peu de yoga. Voilà. Et toi, du coup, puis tu vas aller papoter avec ton fils en attendant d'aller travailler. Hop. Et nous, pendant ce temps, on va regarder qui passe. Voyons voir. Ce jeu va me rendre dingue. Patrol, Sophie, Wagaborn Zifna, Sorf, Kuflinka, Una. Ok, après tu vas aller travailler, s'il te plaît. Puis toi, tu vas aussi aller faire du yoga, hein, en attendant. Puis on va regarder qui passe, hein. On va tout surveiller. Bla 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 bla. Non, mais je m'en fiche des vieux, mais. Ah. Ah mais ok, donc ça c'est bien par contre. Alors attendez, on va juste regarder par où elle passe. Est-ce qu'elle. Non, on s'en fiche. Lucie, reviens ici. Oula! Allez. Par contre, de l'autre côté, ça serait bien, par exemple, que Monsieur Turban passe. Bon, c'est bon, t'as fini? Toi, par contre, tu vas aller faire la lessive. Tu vas fouiller les poches. Et tu vas laver dans une bassine, toi. Oh, mais c'est pas possible. Elle va encore s'arrêter là?
J'en ai marre, mais tu dois y aller. Bon, t'as même pas parlé, t'es à l'autre bout du quartier. Elle est où? Laisse-moi venir. Bon, dépêche-toi par contre. Allez, on se dépêche. Elle est où? Là. Voilà. Guido, ho-ho. Ah, Larsen. Donc, amour, draguer, amour enlacé. Normalement, il faut que... Ouais, avant 17h, ça devrait le faire. Ah, quoi, cool. Amour. Darpza. Essayer de faire un bébé dans le buisson. Ah. Oh. Puis du coup, ils iront essayer d'aller faire un bébé dans le lit juste après. Comme ça, on aurait fait d'une pierre deux coups. Est-ce que Monsieur Turban est dans le coin? Ça serait pas mal aussi. Non? Je vous jure, j'ai... Oups! Je vous jure, le jeu me génère... Je vous jure, le jeu me génère des... que des femmes. Et quand il y a des hommes, il y en a deux, et à partir du moment où ils sont... Ils ont un semblant de relation avec... Ah bah il y en a un là. Avec Dahlia, ils viennent plus. Tu fais quoi, Lucie? Prends ton temps, surtout. Voilà. On va réessayer juste après. Et après, on ira une troisième fois. Comme ça, on n'est jamais sûr. On n'est jamais trop sûr. Dahlia, elle a fini. Mince, toi. Oui, bon, alors va jeter la poubelle. Va accrocher le linge, s'il te plaît. Vider la lessive, accrocher à la corde à linge. Ok. Eux, ils continuent. Non mais... Caleb, encore lui. C'est dingue ça, mais c'est dingue. Change l'eau. Va manger. Non mais nous on veut Monsieur Turban. Voilà, on peut essayer lui. Oh mais c'est un ado. J'en ai marre, j'en ai marre. Ceci dit, ressemblent beaucoup à leur père. Ok, et maintenant, hop, on va aller là. Et on va faire... Mince. Alors attendez. Hop. Demander de passer du temps ensemble. En plus, normalement, elle est censée être au travail, elle. Ok. Du coup. Voilà. Hop. Ah bah oui. Allez, on est parti. Donc toi, t'as eu une augmentation, c'est génial. Tu vas aller manger. Hop, bon, tu veux pas jouer, tant pis. Et toi, tu vas aller aux toilettes, tu vas prendre une douche, tu vas aller essuyer tout ça. Toujours pas de Monsieur Turban.
C'est pénible. Sinon, c'est pas grave, hein, ça sera Vihan, Acharya. Elle va aller faire un peu de yoga et puis elle va aller se coucher, hein. Encore une journée sans homme pour elle. Bon, elle a encore 16 jours, hein, mais bon. Ça serait pas mal que le jeu se décide à me faire passer les gens que je veux qu'ils passent. Alors qu'ils passaient tout le temps avant, bien sûr, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Bref. Donc toi, voilà, elle est venue manger. Lui est parti prendre un bain s'il veut. Tu sais quoi, tu vas manger avant en fait. Non, alors toi tu veux pas allumer un feu. Tu peux lire un livre si tu veux, mais tu vas le lire. Ah voyons voir. Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'étais tout content, je me suis dit bon, on a trouvé quelqu'un d'autre. Mais c'est le même délire qu'avec. C'est qui ça? Ah mais c'est la sœur de l'autre, de celui qui est à l'autre bout. Moi je dis non, maintenant que je veux Monsieur Turban, il passe pas. Ah, c'est pas possible. Il va bien finir par passer un jour. Tiens, toi maintenant que t'as ton livre, t'as. Hop. T'as fini de nettoyer tout, toi? Bon. Ok. Super. Voilà. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas nettoyer. Tu vas aller l'utiliser. Tu vas prendre une douche. Puis on va espérer que tu es enceinte, monsieur. On va continuer à scanner au cas où. Non. Je vous jure, je vais devenir dingue. Bref. On va aller coucher tout le monde. On va faire en sorte que ils soient tous plus ou moins en forme. Tu vas aller dormir et puis on verra ça demain, hein? Enfin demain, dans le prochain épisode. Là, je pense que on a eu assez pour la journée. On va espérer que Atticus soit enceinte. Ouais, c'était sympa, moi aussi je suis d'accord. Donc lui, son enfant, il va être dans la carrière méchant pour qu'on n'ait plus à payer tous les impôts. Super. Alors écoute, tu vas réparer ça avant d'aller te coucher. Ouh, c'est qui? Stop, stop. Oh, non, c'est encore une Iman Ashwim. Je n'ai marre. C'est qui là-bas? Non, c'est elle. Bon, à la fin, il est passé tard le soir. Peut-être que. On sait jamais. Bon, alors ça va. Tu vas aller aux toilettes. Tu vas dormir. Et toi, quand tu auras réparé la douche. Tu vas aller dormir. Hop. Bon, maintenant que tout le monde dort,
Bon, bah maintenant que tout le monde dort, je pense qu'on va s'arrêter là, sauf si je croise monsieur dans la rue. Voyons voir. Juste jeter un dernier coup d'œil. Bon, bah il est pas là. Donc pour l'instant, c'est pas pour tout de suite. Bon. On va espérer que ce sera pour l'épisode suivant. J'espère que cet épisode vous aura plu. On n'a quand même pas perdu de temps puisque Atticus devrait être enceinte. On verra ça dans l'épisode précédent. Et on verra dans l'épisode précédent si Dahlia a enfin le droit de rencontrer l'homme de sa vie. Voilà, je vais sauvegarder pour pas me faire avoir comme la dernière fois. Enfin, comme tout à l'heure. Et nous, on se retrouve dans le prochain épisode. Salut!